Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une petite vidéo qui sera sans doute assez courte d'unboxing d'une Funko Pop Avengers, la numéro 457. Il s'agit de Hawkeye alias œil de faucon. Donc on va déjà regarder ensemble la boîte et puis après on va la déballer ensemble. Donc déjà sur le côté on a le dessin qui représente Hawkeye, qui représente cette Funko, et on peut voir qu'il a ses habits de Ronin, puisqu'au début de Endgame on le voit un petit peu en soif de vengeance et de justice un peu expéditive. Et il est devenu le Ronin avec un sabre et puis son visage caché. Mais là il a retrouvé son arc. Et c'est bien Hawkeye et pas Ronin. Et derrière, on a les différentes Funko disponibles dans cette collection. Avec Tony Stark, Captain America, Hulk, Thor. Je possède celle-ci. Thanos, Black Widow, Ant-Man, Nebula, Hawkeye, donc le fameux War Machine, et Captain Marvel. Captain Marvel, j'ai la même, exactement la même, avec évidemment le logo des Avengers, le logo Marvel et le logo Funko. Comme vous pouvez le voir déjà, évidemment, c'est une bubble head, c'est-à-dire que son cou est monté sur un genre de ressort, ce qui est le cas pour toutes les figurines Marvel et Star Wars. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Je vais essayer de faire un petit peu doucement. Voici la pop, je la trouve vraiment très jolie. Je vais faire une petite mise au point dessus si mon téléphone veut bien, pour que vous puissiez mieux la voir. Donc on voit qu'il a une espèce de crête là, comme dans le film, avec donc sa fameuse tenue de Ronin qui est très très belle. Un peu noir et or, c'est une tenue un peu de ninja. Elle est vraiment très jolie. Il y a un genre de boucle ici là, de ceinturon. Il a trois doigts gantés, mais pas le pouce et le petit doigt. Et il a ici son arc noir. Et dans le dos, on peut voir le carquois et les flèches. Vraiment très joli. Bon, il y a un petit défaut de peinture là sur le crâne. Un petit peu abîmé, mais ça va. Ça reste discret. Mais sinon, le reste de la peinture est vraiment très bien. Vraiment réussi. Pas de problème à ce niveau-là. J'en profite pour faire un petit peu de tapping pour faire durer la vidéo. En tout cas, Hawkeye, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans l'univers Marvel. Pour une raison simple, c'est que comme Black Widow, par exemple, c'est un simple humain
qui compte essentiellement sur son entraînement et sur son talent, qui travaille très très dur. Et ça doit être pas être évident pour lui de se retrouver dans une équipe avec des super héros, avec des surhommes, que ce soit Thor qui est un dieu clairement, Hulk qui est pas extrêmement puissant. Iron Man qui est certes qu'un homme mais qui a une armure aussi très très puissante. Et donc à côté de ça, bah, Clint Barton, alias Hawkeye, bah, il a que son arc, ses flèches et son talent. Mais il s'en sort. Il s'en sort et il est malgré tout assez fort. Très utile dans l'équipe. Tout cas, je la trouve vraiment, vraiment très jolie. Je suis très content de la posséder dans ma collection de Funko Pop. Je vais vous remettre la boîte ici. Et je vais vous faire un peu de tapping plus proche du micro. Franchement, je la trouve vraiment magnifique. Je crois que ça fera partie de mes préférés. J'adore vraiment cette espèce de combinaison là, noir et or. Je la trouve trop, trop, trop jolie quoi. Puis je parle détail de ses cheveux aussi. J'ai d'autres Funko, des fois les cheveux sont moins détaillés. Là, il y a vraiment le détail de toutes les mèches et tout. C'est très réussi. Elle est vraiment, vraiment mignonne. Vraiment très jolie. Voilà, donc c'est la Funko Pop 457. Et elle est assez cool. J'espère en tout cas que cette vidéo aura plu. C'est une courte vidéo, mais voilà, ça me fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous. À bientôt.